Ici, nous avons un banc de test conçu par ma sœur et qui nous permet d'effectuer des tests accélérés du phénomène d'érosion par les vents de sable. Donc, ces tests-là consistent à éjecter du sable sur des miroirs et selon différentes configurations, l'angle d'impact, les vitesses, etc. Afin de corréler entre les résultats obtenus au laboratoire et ce qui se passe réellement sur le site d'études, nous prenons en compte les données climatiques du site d'installation ainsi que les spécificités des particules de sable présentes sur le site d'études et qui sont responsables du phénomène d'érosion. Une fois les tests finalisés, nous procédons à différentes analyses au laboratoire qui nous permettent d'évaluer le taux d'érosion généré par ces essais-là. Donc, premièrement, on commence par la mesure de la réflectance spéculaire en utilisant un réflectomètre portable. Et par la suite, on analyse l'état de surface de ces échantillons-là en utilisant un profilomètre. Et également, on observe la morphologie des impacts générés sur la surface des miroirs en utilisant un microscope optique.